Ce matin, on a décidé de partir à Bohol. On a organisé ça tout seul et en fait, en arrivant, il n'y avait pas de ferry, on a dû aller à un autre port et on a réussi à voir le bateau qui va démarrer là dans une minute. Donc là, on a les tickets direction Bohol. Je vous en parle un peu plus une fois qu'on est installé. Thank you. Si, c'est pas le cas là, je reviens. Donc voilà, en fait, on était assez beau ce matin ici. Et donc là, on est en train de prendre un ferry qui va nous ramener sur l'île de Bohol, qui est juste là, 1h30 de ferry environ de traversée. Bonjour tout le monde, on est dans un bateau qui va nous ramener à Bohol Island. Qu'est-ce qu'on va voir là-bas? On va voir les chocolatiers, c'est des petites collines. Ouais. Et après, on va voir les plus petits primates du monde. Ils sont très petits et très mignons. Ouais. Et ils dorment et ils sont très actifs la nuit et le matin et la journée, ils dorment. Si on les réveille, ils peuvent faire une crise cardiaque. Ouais. Aussi voir une grande forêt. Ok. On a combien de temps de bateau, tu sais? On a une heure et demie. Ouais. Allez. Chocolate Hills. Donc en gros, il y a un peu plus de 1200 petites collines. En fait, ce sont des formations calcaires avec de la végétation dessus. Et alors, pourquoi ils les ont appelées les Chocolate Hills? C'est tout simplement parce qu'en décembre, entre décembre et avril, avec la sécheresse, ça prend ces montagnes que vous voyez qui sont là, très vertes, prennent une couleur marron, chocolat. Voilà, c'est sympa, franchement, c'est sympa. Et c'est l'endroit où on a vu le plus de touristes depuis qu'on est ici. Donc en gros, vous accédez à une plateforme d'où vous avez une superbe vue. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait voler le drone pour vraiment. Thank you.
s'est arrêté dans un centre de conservation où vous pouvez observer les tarsiers, les plus petits primates au monde, qui dorment essentiellement la nuit. Et si on a la chance, on pourra, en voir réveiller. Donc il faut savoir qu'ils sont en voie de disparition. Ok, dernière matinée ici à Cebu City. On va se promener en fait dans le vieux Cebu et on va visiter quelques sites coloniaux importants. Et on va commencer avec la croix de Magellan qui est juste ici. Ok, donc premier monument, c'est la croix de Magellan. Donc en fait, en 1521, il y a Ferdinand de Magellan qui est venu ici, donc qui est arrivé avec la flotte espagnole et en fait, ils ont converti les Philippins. Et donc, pour témoigner le catholicisme des Philippins, on a donc érigé cette croix ici. Et voilà, c'est tout. Donc en fait, la croix elle a été plantée pour la première fois en 1521 et pour marquer l'endroit où les Philippins indigènes ont été baptisés. Donc on le voit, vous voyez, dans la peinture qui est juste au-dessus ici. Donc là aussi, on est à la basilique San Niño, qui a été créée dans les années 1500. Et on est vendredi, il y a énormément de monde. C'est un lieu saint qui est vénéré par une grande partie de la population ici aux Philippines. Donc on va rentrer, on va découvrir ça. On y va. Donc là, on est dans la Colon Street, qui est la rue la plus ancienne des Philippines. Et ce nom a été donné par Christophe Colomb. Donc c'est une rue qui est vraiment dans le centre de Cebu City. Et c'est intéressant parce que du coup, vous voyez les locaux. C'est très animé. Surtout avec les enfants. La lune. On va continuer avec la visite de Yap San Diego. C'est l'une des plus vieilles maisons ici de Philippines qui appartenait à un marchand chinois. Voilà, qui date de 1675. On y va ? On va visiter ici à Cebu City, c'est le port San Pedro
qui date du 16e siècle, qui a été construit par les Espagnols pour se protéger des pirates. Il a été utilisé durant l'occupation japonaise comme prison. Alors Mariam, dis-moi, c'est quel moment que tu as préféré? Quand il partit rouler les ATV. Ouais, quand on a fait le quad. Et aussi quand il partit voir les rocs à baleines. On était voir, on a été nager avec. Ah ouais, nager. T'as eu un peu peur au début, ouais. Ah ouais. Quand il est parti dans l'avion, je vais pas l'avion, je veux dire quand il est parti dans le bateau. Pour aller où? Pour aller Bohol. Ah, l'île de Bohol, ok. Oui, la chocolate hill. Moi, c'est la même chose, okay. Mais j'ai bien aimé quand on est parti voir les chocolate hills. Ouais. Et aussi quand on a vu le turtles et sardine run. Ouais, c'était cool, là, ouais. Oui. Et si tu vas aussi jouer là. Quel moment que tu as préféré? Alors, j'ai préféré... Attends, je vais vous dire quel moment. Un seul? Je peux en dire qu'un seul? Non, tu peux dire plusieurs. Ok. Alors, j'ai trop aimé quand on a nagé avec les... Requins-baleines. Les requins-baleines, ouais. Et j'ai trop aimé quand vous avez fait du quad parce que vous étiez trop contente. Ah oui? Vous étiez trop contente, ah oui. Est-ce que tu as aimé les sardines, Ren? Ouais, quand on a nagé avec les sardines, c'était aussi incroyable. Et attendez, il y a un moment que j'ai oublié, j'en suis sûre que vous avez oublié aussi les filles. Ouais. Quand vous avez sauté les cascades. Ah ouais. Vous avez oublié. Pourquoi vous recommandez d'aller aux Philippines? Parce que la plage, les gens sont très patients et très gentils. Ouais. Chaque fois ils vont sourire. Il y a plein de choses à voir, c'est magnifique. Tu peux regarder ici la caméra. Et aussi, j'aime trop prendre le bateau, il y a plein de choses à voir. Ouais. Même les plus petits singes du monde, ils sont trop mignons, on a même acheté un bidou. Ouais, tu demandes au revoir. Ok, Haroun, t'es parti où? Pipi. Ouais, c'était bien? Oui. Qu'est-ce que t'as fait là-bas? Je sais pas. Qu'est-ce que t'as fait? Attends. T'as nagé quoi? T'as nagé avec qui? Les sœurs. Hein? Yes, mon chat. Après, t'as nagé avec quoi d'autre? Les poissons. Les poissons. La tortue. Ouais. Qu'est-ce qu'on a été voir hier? On a vu les tout petits animaux. Tout petits. On a été voir hier, on a Baby vu... Baby Mike.